Coucou YouTube, on continue Céleste. Hop. Alors, ouais, si je passe sur le jeu, ça va pas aller non plus. Tac, tac. Chapitre 2, le site ancien. C'est parti. Les fraises impressionneront tes amis, mais c'est tout. Ne les ramasse que si tu y tiens vraiment. Moi, quand je joue à un jeu, j'essaye de le finir entier, quoi. Plus intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Les graphismes sont assez sympathiques, je dois avouer. Ouais. Hop. Non. Ça va. Non. Alors, c'était pas comme ça, du coup, c'est ça, ça, et ça. Voilà. D'accord, donc on peut dasher dans les carrés. Oh, intéressant. Ça c'est quoi? B. Ah, c'est des jumelles. Et je fais comment pour l'atteindre celle-là? Bon, on verra ça plus tard. Hop, on continue. Ah. Ouais, c'est bon. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà, comme ça c'est mieux. Ah, petite fraise. Ici il y a quelque chose, non? Ouais, l'œil du tigre. Ah ouais, ça. Ouais. Je crois que c'était pour une fraise ici. Je vais pas le refaire. Tac. Au pire, on retournera pour aller chercher celle qu'on n'a pas. Vous savez quoi, les fraises, je vais pas toutes les collecter maintenant. Je les recollecterai à la fin. Je crois qu'on peut faire ça. On verra ça plus tard. Hop. Apparemment, c'est pas par là. Ah, je dis ça en même temps, c'est une fraise ici. Ouais, je vais la prendre quand même. Non, bon, on s'en fout. On s'en fout. Allez, les fraises, on s'en fout. On dit qu'on s'en fout. Ça va être ça, je pense. Tac. Non, comme ça. Comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Deux biais. Allez. Ça, c'est pas évident, hein. Ah. Tac. Mais non. Voilà. Tac. Tac. Et là, deux biais, pareil. Ça,
ça passe. Madeline, ma chère, ralenti. À qui tu parles? Oh, je me suis une observatrice inquiète. Tu es moi? Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a l'air si sinistre? C'est mon apparence, d'accord? Tu dois t'y faire. Désolé, je ne voulais pas. Je n'y pense plus. Si tu savais quel soulagement c'est d'être sorti enfin de ta tête. Mais écoute, je suis inquiet à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais que ce n'est pas ton fort, mais sois raisonnable, pour une fois. Tu n'imagines pas dans quoi tu te lances. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Es-tu la faible partie de moi? Ou la partie paresseuse? Je suis la partie pragmatique. Et je tente de rester diplomate. Rentrons à la maison. Ensemble. Ah d'accord. Ça part direct en embrouille, quoi. Si elle me touche, je suis mort. La fraise, on oublie, hein, je pense. Je sais pas si elle a le droit de me toucher quand on est dans le vide spatial, là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà, j'ai chié. Hop. Oh là là. D'accord, je crois que j'ai compris. Ouais, ça va. Hop, hop. Ah, nickel. Ah ouais, ça je l'avais fait, je me rappelle. C'est compliqué ça. Ah non, c'est pas compliqué, c'est parce que j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième boost quand tu sors du truc. Voilà, c'est ça. Nickel. Putain, je l'avais réussi. Oh, je l'ai. Oh, ça va être dur. Oh, c'est bon, c'est passé. Parfait. Ça y est, elles sont trois d'un coup. Voilà, c'était pas trop compliqué. Voilà, c'était impossible ça. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Putain, elles sont 5. Oh le bordel. Ça va, on s'en sort. On s'en sort même que je... mieux que je penserais. Que j'aurais pensé. Oh non, c'est trop dur ça par contre. Bon, mais je sais pas combien de triangles à la suite là. Plus le tableau, tu dois recommencer au début à chaque fois. Waouh, j'ai failli mourir, c'est bon. C'est bon. Mais non, mais j'avais réussi là. Allez, on s'énerve pas. Ah, on s'énerve pas, j'ai dit.
Manque de concentration. Allez, c'est reparti. Tac. Hop. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Hop. 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 Là, hop. Hop. Voilà. Prends ça. On y va. Tac. Prends le deuxième. Voilà. 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 Bah, on a réussi. La musique se calme. Que se passe-t-il? Ah, d'accord, j'ai réussi à m'ouvrir là-dessus. Ça se calme bien, même la musique, ça va. Tac. Téléphone qui sonne. Allô? Allô? Madeline! Tu appelles d'une cabine? Oui? Non, mais... Attends, c'est toi qui m'appelles? Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, j'ai des ennuis. Je suis pourchassé par quelqu'un. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je suis... Je me sens en danger, je le sens. Madeline, tu m'appelles quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien! Tu ne changeras jamais! Chut! Ça va, calme-toi. Je m'excuse, ma chérie. Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. Je grimpe le mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir. Il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée, et... Je fais un rêve, n'est-ce pas? Madeline, bien sûr, tu fais un rêve. Mais je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi je commencerai maintenant? Toi, pourquoi gravir cette stupide montagne? Le retour du loup maléfique. Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est que... Ah d'accord, c'était juste un rêve. Mont Céleste, ouais, ça on a vu. On peut pas aller par là? Ah ouais, Mont Céleste. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ah! T'as mis l'aventurier. Surgit face au vent. Le vrai héros de tous les temps. Bon, on va aller le voir quand même. Voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Apparemment rien. On va parler avec. Salut Madeline, tu arrives ici? Monter là-haut fut difficile, mais ça valait le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris plein de belles photos, tu veux voir? Oh, bien sûr! Théo, elles sont super! Je finirai peut-être par atteindre 1 million d'abonnés avec ça. Eh ben. Oh, il faudra qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Oh yeah!
Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Non, ça va, tu peux la poster. Je ne suis pas photo-hygiénique. Madeline, ne sois pas si dur avec toi-même. Personne n'est photo-hygiénique sans filtre. Waouh, les filtres Instagram. Trop bien, je suis trop belle du coup. Décontracté, mais sophistiqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie? Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour. Mais ça me rapproche de lui. Alors, tu es déterminé à gravir la montagne? Oui. Je m'en suis fait la promesse. J'en ai marre de trahir les promesses que je me suis fait à moi-même. Se fixer des objectifs, pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer chez moi pour l'instant. Il y a du réseau là-haut. Je n'ai pas de smartphone, je n'ai qu'un Nokia 3310. Madeline, tu me laisses sans voix. Ok. Allons-y. C'est qu'elle se fait draguer un petit peu par un pédophile, Madeline. Insta-pédo. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Tac. Allons-y. Encore ce téléphone. Allô? Salut maman. Madeline, quelle surprise! Comment s'est passé le voyage? Ça va, je suis juste un peu submergée. Oh non, tu fais encore des crises de panique. Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Ah, fin du chapitre. On dirait bien. Well, J'ai fait qu'une fraise. Ouais, mais en même temps, je dis ce coup-ci, les fraises, je les calcule pas trop, parce que bon, on reviendra dessus après. Je crois qu'on peut revenir sur les stages, du coup, ça va. Bon, merci YouTube, lâche un pouce bleu, abonne-toi.